Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. La séance d'aujourd'hui, nous la consacrerons au calcul de l'aire de deux quadrilatères, c'est le rectangle et le carré, toujours dans le même manuel, le petit matheux, la classe de la CM1, ça veut dire la quatrième année de l'enseignement primaire. Maintenant, passons à notre page qui est la page 72. La page 72, c'est notre leçon d'aujourd'hui. Je compare chaque première question. Nous commençons par la première question. Je compare chaque rectangle avec la figure coloriée à chaque fois que je calcule l'aire comme dans l'exemple. Nous avons ici le rectangle est composé de deux triangles rectangles. Ça veut dire 2 fois A. Nous avons deux figures de même surface. Ici, la figure B et se répète 1, 2, 3, 4 fois. Je dois écrire ici 4 fois B. La figure C, dans l'ensemble de la surface, est multipliée par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elle est multipliée par 10 fois C. La surface D, composée de 4. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois. Il est répété 9 fois. Donc, 2 fois. 1, 2, 3, 4 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et répétez 10 fois. Pour la surface E, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà la première. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, voilà 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Nous avons ici 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, répétez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle se répète 8 fois. Pour la figure F, il y a une, deux fois. Une, deux fois, voilà, deux fois. Une, deux. Se répète donc par deux carrés, voilà. Voilà, et chaque surface est composée de deux petits carrés. Donc, il se répète. Voilà, nous devons les décomposer pour qu'on puisse les comparer. Donc, il est composé de deux petits carrés. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Se répète 20 fois. Maintenant, pour la question numéro 2. Je compare chaque carré avec la figure coloriée chaque fois que je calcule. À chaque fois, et je calcule l'aire comme dans l'exemple. Ici, il y a le carré composé de deux triangles rectangles. Ici, il est 1, 2, 3 fois. 3. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se répète 6 fois. Ici, se répète 1, 2. 1, 2. Voilà, 1, 2. 2, voilà. 2 carrés. Voilà, la même chose ici, là, pareil. Je dois partager le carré pour que je puisse compter correctement. Voilà. Donc, 2 fois 2. Voilà, 2. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Donc, D se répète 18 fois. Se répète 18 fois. Ici, 4. Voilà 4. Voilà 4. 4. Alors, je le partage en 4 carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se répète 9 fois. Pour F, 6 carrés. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois. 6 fois. Voilà. 2, 6 fois. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se répète 6 fois. Ici, 3, 9. Voilà, 9. Il est partagé, voilà, en 4. 1, 2, 3, 4 fois. Se répète 4 fois. Ici, nous avons 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Voilà, je dois partager pareil. Je dois partager de la même façon. Donc, nous avons ici 3. H se répète 3 fois. Chaque surface est de 12 petits carrés. Ici, nous avons ici, le triangle est composé de cette façon-là. Nous avons la moitié ici, donc ça veut dire 2. Cette part, je l'ajoute ici, cette part, donc c'est 2. 2 carrés. Voilà, ici nous avons 2 carrés, la même chose. 2 carrés. 1, 2 carrés. 2 carrés. Voilà, 2. Je dois la partager pour qu'on puisse la compter correctement. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Elle se répète 18 fois. Elle se répète 18 fois. Et pour le petit carré, nous allons compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 6, c'est 36. Donc, se répète 36 fois. M. Maintenant, pour la surface, passons à la question numéro 3. Je complète le tableau. C'est un carré, donc je dois multiplier côté fois côté. Côté fois côté, ça veut dire 3 fois 3. 3 fois 3. Donc, je n'ai qu'à écrire ici. Je passe de cette page-là à la page suivante. Donc, le petit carré, c'est le côté est égal à 3 cm. Donc, ça veut dire 3 fois 3 est égal à 9 cm carré. C'est le premier carré. Maintenant, le deuxième carré. 4 fois 4. Ça veut dire côté fois côté. 4. Donc, il est de 4 fois 4. Donc, j'écris ici, le côté est 4 cm. Donc, c'est 4 fois 4 est égal à 16 cm carrés. Pour maintenant, nous avons deux carrés. Maintenant, pour le rectangle. Pour le rectangle, nous avons ici un rectangle. La largeur est 2 cm et la longueur est 5 cm. La longueur est 5 cm. La largeur, c'est 2 cm. Donc, la longueur fois la largeur est égale à 10 cm carré. Le deuxième rectangle, pour la largeur, c'est 2 cm. Et pour la longueur, c'est 3 cm. Pour la longueur, 3 cm. Pour la longueur, 3 cm. Et pour la largeur, c'est 2 cm. Ça veut dire 3 fois 2. La longueur fois la largeur est égale à 6 cm carré. Passons à notre exercice numéro 4. Pour l'exercice numéro 4. Le champ du père Riyad est constitué d'un carré. Voilà, c'est un carré et d'un rectangle. Et d'un rectangle. Je calcule l'aire de ce champ.
je commence par la surface du carré, je l'appelle S1. Donc S1 est égal côté fois côté, ça veut dire 40 fois 40 est égal à 4 fois 4, c'est 16, plus 2 zéros, ça veut dire 1600 mètres carrés. Maintenant, passons à S2. Je dois l'appeler S2. S2, ça veut dire le rectangle, longueur fois la largeur est égal à 20 fois 15. J'écris ici au 0, je multiplie 2 fois 5, 10, 2 fois 1, 2, et la retenue c'est 13 mètres carrés. Maintenant, je fais la somme. S est égal à S1 du carré plus S2 du rectangle. Ça veut dire 1600 plus 300. Donc, j'écris 2 zéros des centaines. 6 plus 3, c'est 9. C'est 1900 mètres carrés. 1600 plus 3, 300 est égal à 1900 mètres carrés. Maintenant, passons à l'exercice. Je calcule l'aire de la figure suivante. Je commence par S1. S2 et S3. S1, c'est le carré. Côté fois côté. Ça veut dire 30 fois 30. C'est 2 0. Et je multiplie 3 fois 3, c'est 9 mètres carrés. Je commence par S2. S2 maintenant. S2, c'est la longueur fois la largeur. 45 fois 10, 0, 1 fois 5, 5, 1 fois 4, 4 mètres carrés. Passons maintenant à S3. S3, c'est S3. S3 est égal, c'est un carré aussi. Donc, c'est côté fois côté, ça veut dire 20 fois 20, 2 zéros, 2 fois 2, 4 mètres carrés. Maintenant, il nous a dit de trouver la surface totale. La surface totale est égale à S1 plus S2 plus S3. Ça veut dire 900 plus 450 plus 400. Est égal à 900 plus 400 est égal à 1300. 1300 plus 400, c'est 1750. C'est 1750 mètres carrés. 900 plus 400, c'est 1300. 1300 plus 400, c'est 1750. Ça y est, c'est la surface de la figure entière. Maintenant, je peux construire, vous pouvez construire vous-même cette figure. Tu n'as qu'à suivre les pointillés et recopier tel qu'elle est ici. Maintenant, passons à la question suivante de la page 74. De la page 74. Il nous a dit de calculer l'aire de chaque figure. Puisque ce carré et ce carré est multiplié et se répète 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, c'est la surface du carré multipliée par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 fois. Wahi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Multiplié par 15. Ça veut dire 1 multiplié par 15 est égal à 15 cm carrés. La surface que vous voyez ici est de 1 cm carré. Elle se répète 15 fois. Je multiplie la surface par 15. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc la surface multiplié par 11. Ça veut dire 1 multiplié par 11.
1 cm carré. 1 cm carré multiplié par 11 est égal à 11 cm carré. C'est la surface entière de tous les carrés. Ici, donc pour la question suivante, un rectangle rouge et en pointillé et la nouvelle figure qu'on voit ici en bleu, dans chaque cas, ont-ils le même R? Donc, le losange qu'on voit ici est la moitié d'un rectangle. Non, c'est faux. Faux. J'entends faux. Parce que le losange est la moitié du rectangle. La surface de losange est la moitié du rectangle. Ici, si je prends cette figure-là, je la mets ici, elles sont les mêmes. Donc, c'est vrai. Maintenant, le parallélogramme est plus grand que la surface du parallélogramme est plus grande que la surface du rectangle. Faux. Maintenant, pour la figure ici, je peux découper cette surface-là. Je peux découper et je la mets ici. Donc, c'est vrai. Cette partie-là, si je découpe cette partie, je la mets ici. Et la partie-là, je la mets ici. Donc, c'est vrai. Donc, sont de même surface. Pour la question suivante, l'aire du rectangle rouge en pointillé est de 6 cm carré. 3 fois 2, 6 cm carré. Je calcule l'aire de la figure verte. La figure verte ici. Donc, c'est un triangle. C'est un triangle. Donc, il a pour base 4. Il a pour base 4. Et pour la hauteur, 1,5. Donc, je multiplie 4 fois 1,5 divisé par 2. 4. Donc, je prends le calcul. Je fais le calcul. Donc, 4 fois 1,5. 4 fois 5, 10. 4 fois 1, 4. 4 fois 5, 10. 4 fois 5, 20. 4 fois 1, 4, 6. 6 divisé par 2, c'est 3. Donc, c'est 3. C'est 3 cm. Est égal à 3 cm carré. Donc c'est 3 cm carré. Ici, cette surface-là, donc cette partie-là est 1, c'est, elle est de 3 cm, de 3 cm, ici de 2 cm. Donc j'écris S est égal à 3 fois 2 divisé par 2. 3 fois 2, 6. 6 divisé par 2, c'est 3 cm carré. La surface de losange est de 3 cm carré. Je prends ici. Donc, le grand diamètre est 6 cm. Le petit diamètre est 4 cm. Donc, j'écris ici. S est égal. 6 fois 4 divisé par 2. 6 divisé 6, 6 c'est le grand diamètre. 4 c'est le petit diamètre. 6 fois 4, 24. 24 divisé par 2, c'est 12 centimètres. 12 centimètres carrés. Passons maintenant à la question suivante. Je dois trouver, nous avons ici 15 petits carrés. Ici, nous avons 15 petits carrés. Donc, je complète cette figure-là. Je complète à ma manière la figure 1. Donc, puisque 15, je n'ai qu'à trouver. Je complète, voilà, pour trouver la surface. 15, je vais vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et les deux moitiés, c'est 15. Donc c'est 15 petits carrés. Passons à la figure ici. Donc nous avons ici la figure suivante est formée de 3 formée de 3 carrés sont intercalés entre eux, un rouge et un rectangle rouge de 15
mètres carrés. J'entoure la bonne réponse. Avant d'entourer la bonne réponse, nous avons qu'à faire la surface du premier carré. C'est 8 fois 8, c'est 64. Et je le multiplie par 3. Pourquoi? Parce que nous avons 3 grands carrés. 3 fois 6, 3 fois 4, 12. 3 fois 6, 18. 192. 192 moins les deux surfaces qui sont rouges, c'est 30. Nous avons trouvé 162. Donc, l'aire totale des parties, seulement l'aire totale de cette partie-là, qui est vert, qui est seulement vert, nous devons enlever la partie rouge, c'est 162. Voilà, c'est la réponse. J'entoure la bonne réponse, c'est 162 cm carrés. Ici, pour la question suivante, figure 12, la figure suivante est composée de deux carrés. Voilà, de deux carrés, le premier carré et le deuxième carré, identique. J'entoure la réponse correcte. Qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai qu'à trouver la surface du rectangle bleu. Il nous a dit de chercher la surface du rectangle bleu. Pour la largeur, 35, genre, regarde ici, 35 moins 20. Ici, tu as 10 et 10. 35 moins 10, c'est 15. J'ai trouvé la largeur. Voilà, c'est la largeur. Pour la longueur, c'est 35 plus 35, c'est 70, 10 mètres. J'enlève 10 et 10, il devient 50. Donc, 50 fois 15, 50 fois 15 est égal, j'écris 0, 5 fois 5, c'est 25, 5 fois 1, 5, 7, c'est 750 mètres carrés. 700 mètres carrés, c'est la surface du rectangle bleu. Voilà, c'est 750 mètres carrés. La figure suivante est composée de 6 rectangles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le périmètre de la figure rouge est 72. Je calcule l'aire de la partie. Donc, je n'ai qu'à diviser dans 72. Donc, le périmètre de la figure rouge est de 72. Je commence par calculer le périmètre. Ou bien l'aire. Je n'ai qu'à diviser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je divise 72 par 6. 7 divisé par 6, c'est 1. 12 divisé par 6, c'est 12. C'est 12 mètres. Voilà, c'est 12 mètres. C'est l'air du 12 mètres. 12 mètres. 12 mètres. Donc, voilà, c'est 12 mètres. Voilà. Le périmètre divisé. On a divisé le périmètre par 6. Et c'est 3. Je divise. Donc 12 mètres carrés. Maintenant, pour les périmètres. Nous avons ici 3. La longueur, la largeur 3 et 12 mètres carrés. Voilà, on a terminé avec notre séance d'aujourd'hui. Donc, c'était la séance qui concerne l'aire du rectangle et du carré. Bon courage.